Yo la famille, Stéphane à 8, ni suiveur, ni suceur, et moi je dis ce que je pense. Voilà, nouvelle vidéo les amis, nouvelle vidéo. En fait, je traînais sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu cette image que j'ai mise en miniature là. Elle m'a tellement parlé, elle m'a tellement touché, que j'avais bien envie d'argumenter sur elle. Mais avant, j'aimerais passer trois petites informations. Des informations concernant les fans de Bordeaux et une information, c'est-à-dire un clin d'œil à Kedjivara. En fait, demain 18 samedi, du côté de Sassandra, il y a un jeune artiste, on l'appelle généralement le fils de Bordeaux, Likoufa, le fils du maître Didier Mouzingué, à son spectacle, sa dédicace. Franchement, je suis informé avec la population de Sassandra que tout le staff de Fort Kadiwoda sera des vôtres. Voilà. On viendra casser Sassandra. Donc je demande à tous les fans du côté de Sassandra de se déplacer massivement pour converger vers l'endroit qui recevra la dédicace de ce jeune homme-là, très talentueux et qui promet. Donc Fort Kadiwoda, on arrive, c'est demain. Demain samedi 18 du côté de Sassandra. Toute la Légion sera là. Toute la Légion sera là. Tous les fans Gabi de Gabi seront là. Voilà. Président Raël, Basti Quadio. En tout cas, tout le staff sera là. Donc, soyez prêts à nous recevoir. Parce que Sassandra va sentir pipi. Voilà. Seconde information, il s'agit là des danseurs de Bordeaux. Précisément de deux danseurs. Voilà. Sangoku et l'autre, j'ai un peu oublié son nom, son pseudonyme. En fait, ces derniers-là ont eu la chance de fêter leur anniversaire le même jour. Et c'est ce 1er septembre-là. Voilà. D'abord, il aura un match de gala au niveau de Makori. Voilà, au niveau de Makori, un match de gala sous la présidence et le parrainage de Bordeaux Likoufa lui-même, au niveau de Makori. Et un gros show au nightclub haut niveau situé en Hongrie. Donc j'invite tous les fans des Bordeaux, j'invite aussi la Chine, tous les Chinois à venir soutenir ces danseurs-là parce qu'ils sont super talentueux. Ils feront montre de leur talent ce jour-là. Donc je compte vraiment sur votre soutien aussi. Voilà. Je voudrais souligner aussi que je fais cette vidéo-là, même si je n'ai pas été contacté personnellement pour les faire. Vous dire que c'est la famille. Voilà. On doit soutenir. Et puis tant qu'on a les moyens de pouvoir pousser des jeunes talentueux comme les danseurs de Bordeaux. Moi, je n'hésiterai jamais. Voilà. Cependant, parlons un peu de Kedjivara. Franchement, moi, je peux dire haut et fort que Kedjivara est le meilleur producteur de la nouvelle génération. Le meilleur producteur d'artistes parce que il met vraiment les moyens sur ses poulains, surtout sur MC One. Acheter une Camaro. Pour un enfant qui n'a même pas 21 ans, qui n'a même pas encore eu ses 20 ans, c'est vrai qu'il est dans son année de sa 20e année, mais là, c'est 20 ans en novembre, chose, un truc, on va dire quoi, en septembre. Lui offrir une Camaro, c'est un grand geste. Franchement, moi, je te tire le chapeau qu'il devra. Ça, c'est un exemple à suivre. Il fait pas beaucoup de bavardage, mais il travaille vraiment. Lui-même, il s'occupe de lui-même, il s'occupe de ses artistes sans. Faites bruit. Voilà. C'est pas pour créer une polémique, c'est juste mon avis. Franchement, moi je suis très fier de Kedjivara. Ça, c'est un exemple vraiment à suivre. Voilà. J'étais tellement fier de voir ce petit qui galérait là, qui ramassait les faits au niveau de la palmeraie aujourd'hui, qui s'est fait un nom grâce à ce dernier Kedjivara là. Et aujourd'hui, tu auras la chance de rouler dans une Camaro. Franchement, c'est un geste à saluer. C'est vraiment, vraiment à saluer et c'est à encourager. Voilà. Donc, Kedjivara, c'était ton big up. C'était mon mot d'encouragement et de félicitations. Bravo à toi. Nous sommes tous fiers de toi. Que ce soit les fans de Didier Raffa, que ce soit les fans de Bordeaux, que ce soit les fans du Coupé Décalé. Nous sommes fiers de toi parce que tu es un exemple. Un vrai producteur. Et tu fonctionnes un peu comme les Naija. Et c'est très bien. Moi, je t'en félicite. Ceci étant, revenons sur l'image. Il y a une rumeur qui court. Il y a une rumeur qui court. Je vous la donne en même temps. Et je sais que ce ne sera pas une rumeur. C'est une rumeur qui va se confirmer. De Bordeaux et Didier Raffa. En concert. Si je peux donner une note, je pense que ce sera le 1er janvier 2019. C'est la meilleure date. Voilà.
Pour dire que quoi, moi je suis très fier de voir ces deux-là si proches, si complices, parce qu'on sent de l'amour entre eux, on sent qu'ils s'aiment vraiment, vraiment beaucoup. C'est ce qui dérange beaucoup de personnes et on passe tout notre temps à vouloir les mettre en palabre. Fans de la Légion, Chinois, réconcilions-nous réellement. Ça ne profitera qu'à nos artistes. Sérieusement, hein, quand vous voyez cette image, je parie même que ça pourra être même le titre de leur featuring. Passer un bras de fer. Je me dis que cette photo de bras de fer en dit long, quoi. Ça en dit vraiment, vraiment long. Ça cache beaucoup de mystères. Mais ce que je veux mettre dans la tête des fans de Didier Raffa de Bordeaux, c'est qu'on doit s'entraider. Parce que vous seuls, vous ne pouvez pas. Nous seuls, nous ne pouvons pas. Donc on doit être plus que complices. On ne doit plus laisser un individu venir s'immiscer entre nous les fans et entre nos artistes différents. Vous comprenez un peu? C'est mon message en fait. Réconcilions-nous réellement. Laissons cette histoire sur le compte du passé. C'est passé, c'est passé. Et actuellement, nos deux artistes s'entendent très bien. Nous aussi, nous devons nous entendre très très bien. Donc c'est un message que je lance à tous les fans de Didier Arafat et de Bordeaux Likoufa. On était ensemble au début du Congo, on s'est séparés. Et Dieu a fait grâce, nous nous sommes remis ensemble. Franchement, encourageons nos artistes. Voilà. Les gens sur les disques d'or là, c'est des conneries. Ils vont avoir ça facilement. Si on fait vraiment, si on crée vraiment un bloc vraiment sincère, moi je compte vraiment sur vous. Parce que moi, cette image-là, ça m'a pas coulé des larmes, mais ça m'a donné beaucoup de nostalgie. Je me rappelle de Stéphane Cessayon, de Pongo, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de plein de choses. Vous comprenez un peu les différents concerts que j'étais ensemble? Franchement, il faut qu'on encourage nos artistes. Il faut qu'on vraiment les encourage. N'écoutez pas ces sorciers qui sont là à trouver du grain de sable dans l'œil de leurs camarades, là. Ne les écoutez pas. Celui qui pardonne est encore plus fort que celui qui est rancunier. Retenez ça. Ça ne peut que profiter à nos artistes. Donc je vous demande humblement, vraiment humblement, de s'unir réellement. Parce que jusqu'à là, il y a un peu de, on va dire quoi, de réserve. Chacun sur le qui-vive. Chacun fait attention. Oublions-nous un peu. Et puis aimons-nous réellement. Réconcilions-nous réellement. Pour bosser pour nos deux artistes. Si nous sommes vraiment chose, truc, unis, réconciliés, en toute sincérité, là, nos artistes, on les met au sommet de la musique africaine. Pourquoi pas du monde? C'est pas impossible. Voilà. Donc, moi, je compte vraiment sur vous. Ce message-là, c'est cette miniature-là qui m'a donné la force de vous le partager. Donc, je compte vraiment sur vous. J'espère que je n'ai pas parlé dans les oreilles de sourds. J'espère que vous verrez au-delà de ma personne. Je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment sur vous. Mettons-nous ensemble pour bosser effectivement pour nos artistes. Que Dieu vous bénisse et on est ensemble. Ciao, ciao les amis.